On va tous se tenir debout et on va prier. On va faire une prière ensemble. On va prier ensemble, s'il vous plaît. Lève-toi et on va prier. Lève la main droite dans la présence de Dieu. Lève la main droite et écoute ces paroles. Tu vas répéter après moi. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi, esprit maléfique, poursuivant, qui a été commandé pour vouloir détourner mon cœur de la parole de l'Éternel Dieu. Maintenant, je t'arrête. Je t'arrête. Je t'arrête. Et je t'éloigne de moi. Au nom de Jésus-Christ, je me sépare de toi. Esprit poursuivant. Esprit poursuivant. Je me sépare de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis maintenant, Saint-Esprit, prends le contrôle de mon cœur. Prends le contrôle de mon cœur. Viens et instruis-moi. Ouvre mon entendement pour mes victoires futures, pour mes victoires présentes. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Saint-Esprit? Alléluia! 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 Qui a sa Bible dans sa main? Tu vas prendre ta Bible, alléluia, et tu vas élever ta Bible comme ça, alléluia. Amen. Prends ta Bible dans la main, alléluia. Prends ta Bible dans la main, alléluia. Prends ta Bible. Prêtez une Bible à ceux qui n'en ont pas. Donnez une Bible à ceux qui n'en ont pas. Prends ta Bible, alléluia. Donnez une Bible à ceux qui n'en ont pas, alléluia. Tu dis à quelqu'un, alléluia, prends ta Bible, alléluia, amen. Tu dis, je m'attache à cette parole. Je m'attache à cette parole. Alléluia. Vous savez, c'est vrai que dans nos portables, alléluia, il y a des Bibles, alléluia. Mais je vous conseille d'avoir la Bible papier. Alléluia. Parce que dans les Bibles, amen, amen, que nous recevons, alléluia, dans nos portables, souvent, alléluia, on peut avoir, amen, des intrus. Alléluia. Mais la Bible papier, amen, tu l'as. Ça, c'est pour toi. Alléluia. C'est pour toi. Amen. Dis, je m'attache à la parole de Dieu. Dis, je m'attache à la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va passer à la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de... Amen. Ézéchiel. L'homme spirituel selon l'Éternel Dieu. Alléluia. On va écouter la parole de Dieu. En Ézéchiel 37. Vas-y. Ézéchiel 37, j'ai eu la parole du Seigneur. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Mm-hmm. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je réponds, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs, de la chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Au verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dites à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh, oh, oh mon peuple, je vous ramènerai en le pays d'Israël, dans le pays d'Israël, pardon. Amen. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres
et que je ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai agi et parlé, dit l'Éternel. Je continue. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit que dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous les cieux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Alléluia. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays. Dans les montagnes d'Israël, ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations, ne seront plus divisés en deux royaumes. Alléluia. Je m'arrête ici. La parole de Dieu nous parle d'un homme. Ici, c'est l'homme qui m'intéresse. C'est Ézéchiel. Amen. Le prophète Ézéchiel est en train de vivre, alléluia. Amen. Quelque chose de particulier en cette époque. Amen. C'est que Dieu l'a mis à part et Dieu a fait de lui un prophète. Alléluia. Il a mis son esprit de prophétie sur lui. Mais Ézéchiel, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque Dieu, amen, le saisit ce jour-là, d'abord, dans Ézéchiel 36, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Dieu avait déjà révélé au peuple qu'il allait, amen, les rétablir dans leur nation. Alléluia. Et maintenant, comme la vision, la révélation de Dieu était insistante, il vient parler, et le temps de Dieu était insistant, amen, il vient parler à Ézéchiel, il lui dit que maintenant, amen, regarde, je te montre, il lui montre une vision. Et dans la vision, amen, il est en train de lui montrer quelque chose de particulier. Et dans cette vision, Ézéchiel entend ses paroles. L'Éternel dit, regarde. Il regarde, il voit sur une vallée. Il voit beaucoup des eaux qui sont desséchées, qui sont dans le désert. Amen. Ézéchiel entend cette parole qui lui dit, est-ce que tu crois qu'ils peuvent prendre vie? Amen. Ézéchiel, parce qu'il est animé par l'Esprit de Dieu, il dit à l'Éternel, toi-même tu le sais. Amen. Pour dire quoi? Pour dire que quand tu as l'Esprit de Dieu, amen, Dieu souvent vient faire un dialogue avec toi. Dis à quelqu'un, reste disposé. Dis à quelqu'un, ne néglige pas le don que tu as reçu de Dieu. Dieu veut dialoguer avec nous. Dieu veut dialoguer avec nous. L'Éternel, Dieu veut dialoguer, il veut parler avec nous. Amen. C'est pas parce que tu ne comprends pas français, c'est pas parce que tu ne comprends pas anglais, alléluia. Dieu est langage, alléluia, qui est céleste. Alléluia. Quand Dieu nous parle, alléluia, quand Dieu se révèle à nous, alléluia, amen, sa parole est claire dans notre esprit. Alléluia. Alléluia. C'est plus clair que la parole même d'un homme. Amen. Je me souviens, il y a des personnes qui m'ont donné des révélations de la part de Dieu. Alléluia. Quelques années plus tard, quand j'ai vu cette révélation se révéler, je leur ai posé la question. Est-ce que tu te souviens que Dieu t'avait parlé comme ça? Non, je ne me souviens pas. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, le dialogue, la parole de Dieu, alléluia, n'a rien à voir, amen, avec le dialogue, amen, des êtres humains. Amen. Il est Dieu en esprit. Maintenant, ces eaux que tu vois, tu vas prophétiser là-dessus. Tu sais quoi? Il lui dit qu'amen, ce que tu vois, amen, ce sont le peuple d'Israël. Voici les questions qui sont en train de se poser.
Nous avons été dispersés. Nous retrouvons dans une autre nation. Amen. Or que notre Dieu nous a promis un pays. Amen. Mais on se retrouve, amen, dans d'autres pays. Et en ce moment même, le peuple d'Israël qui était un, à l'époque de David, amen, nous sommes séparés. Alléluia. C'est pas normal. Nous sommes désespérés. Oh notre Dieu, quand tu viendras nous sauver. Alléluia. Alléluia. Quand tu parles dans ton cœur, quand tu parles dans ton entendement, quand tu as des soucis, amen. Celui-là qui t'a créé. Parce que des gens peuvent te voir être en train de, d'être dans la joie. Amen. Tu t'amuses avec tes camarades. Vous riez. Or que toi, dans ton cœur, il y a quelque chose qui te manque. Dis à quelqu'un le Créateur. Dis à quelqu'un le Créateur. Il entend ta parole. Il entend tes soupirs. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je vais simplement, alléluia, ici t'expliquer une chose. Lorsque nous avons vu, dans un premier temps, on s'est arrêté, amen, on a parlé, amen, de plusieurs éléments. Alléluia. Nous avons parlé d'abord, amen, nous avons posé la première question. La première question, c'est, alléluia, pourquoi et comment l'homme doit être spirituel selon l'éternel Dieu. Nous sommes dans le pourquoi. Et dans le pourquoi, amen, nous avons vu qu'un homme doit être spirituel parce que le Dieu qu'il a créé est esprit. Amen. Amen. Oui. Amen. Une voiture ramenée au garage, c'est parce que c'est un homme inspiré de Dieu qui l'a créé. Alléluia. Donc quand elle est en panne, c'est le mécanicien qui peut la réparer. Nous sommes d'accord? C'est pour cela qu'un homme, Dieu lui demande d'être esprit. D'être spirituel, pardon. Pourquoi? Parce que le Dieu créateur lui-même est esprit. Nous avons vu que, amen, si quelqu'un n'est pas spirituel, alléluia, alléluia, son existence même, amen, est remise en cause. Son existence, oui. Parce que si tu n'es pas spirituel, alléluia, amen, le diable va venir te dire que tu es voleur, tu vas dire oui, je suis voleur. Le diable va venir te dire que tu es vaurien, tu vas dire oui, je suis vaurien. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, le diable, amen, lui, il est là, amen, pour te faire régresser. Parce qu'il sait que, amen, tu n'es pas spirituel comme Dieu veut. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Nous avons vu, amen, que, alléluia, un homme n'est pas spirituel selon l'éternel Dieu. Quand il amen, alléluia. Quand il vit quoi? Alléluia. C'est quand cet homme, alléluia, est sous le pouvoir, amen, du diable. Alléluia. Son intelligence est sous le pouvoir de l'esprit du raisonnement, amen, diabolique. Alléluia. C'est là-dessus que nous sommes arrêtés. Si un homme n'est pas spirituel selon l'éternel Dieu, son esprit est sous le pouvoir du diable. Son intelligence est sous le pouvoir de l'esprit du raisonnement diabolique. Amen. Nous continuons aujourd'hui. Éphésiens 4. Verset 17 à 18, on fait la lecture. Alléluia. Donc, n'oublie pas, amen. Un homme qui n'est pas spirituel selon Dieu, amen. Si l'homme ne croit pas, ici, il ne va jamais croire que Dieu est son créateur. C'est pour cela qu'il y a des. Comment on appelle là? Des athées. Amen. Il y a des gens même qui contestent Dieu, malgré qu'ils disent qu'ils sont chrétiens. Alléluia. Parce qu'ils ont subi des coups durs. Je ne vais plus à l'église. J'ai été trahi dans l'église. Est-ce que Dieu même y vit? Est-ce qu'il existe? Vas-y, dis quoi? Merci, Père. Donc, nous sommes dans le pourquoi. Éphésiens 4, versets 17 et 18. Amen. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Alléluia. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alléluia. Amen. Vous voyez, être spirituel, alléluia. Pourquoi il faut être spirituel? Parce que quand on sort du monde, amen, quand on sort du monde, amen, on nous appelle païens. Un païen, alléluia, c'est quelqu'un, alléluia, qui a, amen, son intelligence, qui a sa pensée, qui a sa vie, qui est contrôlé, alléluia, sous le pouvoir du diable. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Et cette personne, alléluia, amen, amen, il vit une vie, amen, sans Dieu. Regardez Ézéchiel. C'est parce que Ézéchiel avait l'esprit de Dieu. Amen. Il avait le pouvoir de Dieu en lui. Alléluia. Que Dieu est venu vers lui. Amen. Pour lui annoncer, amen, des choses qui sont spirituelles avant d'être physiques. Amen. Parce que quand tu marches avec Dieu,
Si tu marches selon l'Esprit de Dieu, amen, Dieu va te révéler des choses qui sont cachées d'abord, afin que tu l'obtiennes sur le plan physique. Alléluia. Alléluia. Un homme, si un homme n'est pas spirituel selon l'Éternel Dieu, il vit dans l'ignorance, il vit aussi dans la naïveté. Amen. Il est naïf. Amen. Quelqu'un qui est naïf, amen, ça veut dire qu'il croit en tout et en n'importe quoi. Amen. C'est quelqu'un, alléluia, ce qui ne doit pas laisser passer, il laisse passer. Amen. Amen. Quelqu'un qui est dans l'ignorance, c'est quelqu'un, alléluia, qui conteste. Amen. Amen. Qui est toujours dans la contestation. Et qui fait des choses, en général, qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Et quand on lui dit que ce n'est pas bon, alléluia, il trouve que c'est bon. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que c'est bon d'être spirituel selon Dieu. Parce que quand tu es spirituel selon Dieu, amen, qu'est-ce qui se passe encore? Vas-y, prenez la parole de Dieu. Dans Jacques 4, au verset 4, et 1 Corinthiens 8, verset 3. Amen. Quand tu es spirituel selon l'Esprit de Dieu. Amen. Parce qu'on vient poser la question. Ça, c'est le temps que tu retrouves les versets. Jacques 4, verset, amen, 4. Allez. Amen. Et 1 Corinthiens 8, verset 3. Quand tu es spirituel selon l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe en tant qu'homme? Ézéchiel, Dieu lui parle. Et Dieu lui donne la révélation. Maintenant, Ézéchiel, il appelle tout le peuple. Alléluia. Il vient, il va venir leur reporter ce qu'il a vu en songe. En songe, il a vu quelque part que Dieu lui disait, en songe, hein, ou bien même dans la vision, Dieu lui disait, prends un bois qui était comme un cahier pour lui, amen. Il a écrit là-dedans, alléluia, il a écrit sur les deux bois, et Dieu lui dit, il faut les mettre ensemble. Quand le peuple va te demander, pourquoi tu mets les bois ensemble, alléluia, tu vas lui dire, ça signifie que, amen, le peuple d'Israël qui est divisé sera uni. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un parce qu'il a vu. Parce qu'il a vu. Dis à quelqu'un parce qu'il a vu. Parce qu'il a vu. Dans une vision. Dans une vision. Alléluia. Amen. Vas-y, dis quoi? Jacques 4, verset 4. Alléluia. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié pour l'homme, pour Dieu, pardon, contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alléluia. D'abord, si un homme n'est pas spirituel selon Dieu, sa vie, amen, n'est pas connue de l'Éternel Dieu. Oui. Quand tu n'es pas, tu ne marches pas, quand tu ne marches pas, amen, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu ne marches pas, alléluia, selon l'Esprit de Dieu, Dieu ne te connaît pas. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Faut m'écouter, s'il vous plaît. Faut m'écouter. Ne vous laissez pas distraire parce que c'est un enseignement qui est profond. Alléluia. Nous avons des problèmes, amen, dans nos églises parce que les enfants de Dieu ne sont pas spirituels. Alléluia. Il faut être spirituel. Amen. Sinon, Ézéchiel, alléluia, il allait dire à Dieu, mais les gens vont me prendre pour un fou. Amen. Amen. Je viens m'asseoir. Est-ce que vous savez ce que Ézéchiel a vécu même? Ézéchiel, alléluia, Dieu l'a fait vivre des choses, amen. Il s'est retrouvé des moments où il ne mangeait pas pendant des jours, pendant 40 jours. Amen. 50 jours, si je ne me trompe pas, alléluia. Ézéchiel, Dieu lui dit, il faut dormir sur ton côté droit. Pendant quelques temps, pendant des jours, il dormait sur son côté droit. Dites-vous. Amen. Amen. Lisez le livre d'Ézéchiel. Amen. Dans le livre d'Ézéchiel encore, souvent Dieu lui dit, bon, Dieu lui dit, tu vas prendre, amen, alléluia, le caca. Amen. Et tu vas prendre ça pour faire du feu. Lisez Ézéchiel. Il ne comprend pas, alléluia. Quand il fait ça, Dieu lui explique pour dire, non, voilà ce que ça signifie, voilà ce que ça signifie. Amen. Si tu n'es pas spirituel, pendant que tu as Jésus-Christ dans ta vie, alléluia, ta vie, amen, ton temps à l'église, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Parce que si Dieu te dit de te lever à 2h du matin pour prier, amen, que tu penses pour dire, ah non, moi, je vais dormir, ah, Satan arrière de moi, alléluia, tu vas condamner Dieu, amen, sans t'en rendre compte. Dis à quelqu'un, ressaisis-toi. Dis à quelqu'un, ressaisis-toi. Vous savez, souvent, amen, quand
Quand Dieu veut être spirituel avec vous, amen, il vous fait faire des choses, alléluia, qui ne sont pas normales dans votre vie. Pourquoi? Parce que si Dieu, par exemple, dit que, par exemple, tu aimes regarder la télé, tu aimes regarder les matchs de foot, faut bien m'écouter, hein. Souvent, il y a des équipes qui perdent à cause des chrétiens. Alléluia. Oui, ce que je vous dis est vrai. Et c'est ce que je dis là, je l'affirme. Tu peux aimer ton équipe, alléluia. Dieu va placer l'heure du match, alléluia, à l'heure de prière. Et puis il va te dire, viens prier. Amen. Toi, tu es là, tu dis, le match, alléluia, amen, amen. Amen. Tu vas t'asseoir devant la télé. Dieu va les faire perdre à cause de toi. Faut dire à chrétien, tu entends? Dieu chrétien, réveille-toi. Alléluia. Oui. Amen. Tes amis même que tu aimes. Amen. Et puis tu négliges ta femme. Ta femme que tu aimes. Alléluia. Et puis tu négliges les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il peut faire. Amen. Il peut mettre, alléluia, une division de vous. Il peut tes amis que tu es toujours après. Amen. Il va mettre une guerre en vous. Alléluia. Tu dis, mes amis, je ne comprends pas. Vous, on a grandi ensemble, on a fait ceci, alléluia. Dis à quelqu'un, c'est les choses spirituelles. C'est les choses spirituelles. Alléluia. Oui, souvent Dieu peut créer des situations. Amen. Amen. Tu aimes tellement ta personne que l'église. Quand on dit donne à l'église, tu es là. Moi-même, tu es là. Il y a des gens, ils ne savent pas compter véritablement. Mais quand il s'agit de donner à l'église, je ne sais pas, l'arithmétique revient. Alléluia. Ils sont des matheux. Il commence à bien calculer maintenant. Ouais, c'est bizarre. C'est satanique. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, amen. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il va te créer un problème. Amen. Pour que Dieu, il faut bien m'écouter, hein, ce que je dis, amen. Le Saint-Esprit veut que tu comprennes. Alléluia. Quand il s'agit des choses de Dieu, il faut être spirituel. Parce que Dieu t'avertit, même sur le plan spirituel. Dieu peut te montrer un songe. Où les sorciers qui n'avaient pas l'habitude de venir t'atteindre, alléluia, pour un jour, ils viennent t'atteindre. Pourquoi? Parce que la veille, Dieu t'avait déjà parlé. Dans tes toilettes, dans ton WC, quand tu étais assis, alléluia, Dieu t'avait parlé dans ta voiture, Dieu t'avait parlé pendant que tu étais dans le train, Dieu t'avait averti par une vision, ou bien par un songe. Quelqu'un là? Oui. Marchons selon l'esprit de Dieu. Amen. Si tu n'es pas spirituel, alléluia, que tu dis que tu es chrétien, même Dieu ne te connaît pas. Reprends le verset, s'il te plaît. Dieu ne te connaît pas. Amen. C'est comme deux personnes qui disent qu'ils sont amis. Des amis, quand ils marchent ensemble. Ils se confient tout. C'est pas ça? Mais toi, tu dis que tu es avec Dieu. Tu dis que tu as l'esprit de Dieu. Dieu vient te parler, amen. Il y a des gens, pendant qu'ils sont en train de prier, alléluia, faut m'écouter. Pendant qu'ils sont en train de prier, alléluia. Dieu veut leur parler, ils disent amen. La prière est finie. Hein? Pourquoi? Parce que amen, lui c'est ce qu'il veut que Dieu fasse là, c'est ce qu'il a dit. Amen. Mais quand Dieu veut parler maintenant, il dit alléluia, amen. Seigneur, que ton nom soit glorifié, amen, c'est fini, amen, amen. Mais si tu dis amen devant le Saint-Esprit, il s'arrête. Hein? Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Il dit quoi? Vas-y. Amen. Alléluia. Donc sache-le. Amen. Jacques 4, verset 4. Yes. Et moi, je prends 1 Corinthiens 8, verset 3, pour qu'on avance. Je le aussi. Amen. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Amen. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. 1 Corinthiens 8, verset 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ah bon, alléluia. Ah oui. Si tu aimes écouter, tu aimes marcher selon Dieu, alléluia, Dieu te connaît. Vous les chrétiens, là, réveillez-vous. Hein? Amen. Les chrétiens croient que non. Amen. Comme bon. L'homme de Dieu a dit ça, ou bien la servante de Dieu a dit ça. Bon. Oh bon, je ne l'ai pas fait. Telle personne n'a pas fait. Bon. Oh, c'est rien. Je me repentis. Alléluia. Dis à quelqu'un, il y a un livre qui est ouvert devant Dieu. Dis-lui. Dans le livre de vie, là, alléluia. Amen. J'ai déjà donné l'enseignement et je vais reprendre ça. Alléluia. Vous savez, les gommes, là, ça existe. Hein? Gomme, ça existe, alléluia. De la même manière dont ton nom est écrit, amen, on peut le gommer. Parce que la Bible dit quoi? Amen. Tantôt il dit, son nom est écrit. Ta
Quand toi, il dit, on n'a plus vu dans le. On ne voit pas son nom dans le livre. Pourquoi? Parce que ton nom peut être gommé. Quelqu'un là? Est-ce que quelqu'un là? L'Esprit de Dieu, amen. Il ne nous a pas été donné, alléluia, pour qu'on soit en conflit avec l'éternel Dieu. C'est pour qu'on marche selon des hommes et des femmes d'esprit. Alléluia. Pourquoi j'aime Ézéchiel? Pourquoi, amen, de la manière dont Ézéchiel, alléluia, a reçu le message? Amen. Dieu n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi quelqu'un, amen, qui l'a marqué. Toi et moi, là, amen, nous sommes marqués parce que nous avons accepté Christ comme Seigneur Sauveur. Nous sommes assis dans la maison de Dieu, amen, pendant qu'il y a des gens qui sont dans le monde. Mais si tu viens dans la maison de Dieu, que tu sors pour aller marcher selon les païens, mais pourquoi tu viens à l'église? Parce que venir à l'église et être dans le Seigneur, c'est deux choses différentes. Amen. Amen. C'est pour cela que j'entends toujours, il y a des gens souvent quand ils parlent, non, j'ai dit aux gens, allons à l'église, hein, venez à l'église. J'ai dit, non, mais tu ne dis rien. On ne dit pas à quelqu'un, venez à l'église. On dit, viens, tu vas donner ta vie à Jésus-Christ. Ça, c'est deux choses différentes. Alléluia. Parce que quand tu dis à quelqu'un, je t'invite, alléluia, il peut venir. Amen. Il peut venir parce que tu l'as invité. C'est comme chez toi à la maison, puisque tous les dimanches, il sait qu'il ne peut pas te voir à la maison. Amen. C'est à l'église qu'il faut qu'il soit avec toi. Alléluia. Et il va venir. Il va t'accompagner. Alléluia. Ton temps d'adoration, il va participer. Ton temps de prédication, il va participer. Alléluia. Mais quand il va sortir, alléluia. Oui, ça m'a plu, mais. Il va ajouter un mais. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu à l'église, alléluia, à cause de Jésus-Christ, mais il est venu à cause de toi. Amen. Dis que je sois délivré au nom de Jésus-Christ. Que je sois délivré. Alléluia. Donc, si un homme n'est pas spirituel selon l'éternel Dieu, sa vie n'est pas connue de l'éternel Dieu, elle est rattachée automatiquement au péché et à l'enfer. Est-ce que tu es là? Parce qu'il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Oui, c'est ça. Quand quelqu'un ne marche pas selon l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Alléluia. Tu peux pas dire que tu aimes ta femme, alléluia, et puis dans la journée, tu peux pas penser une seconde même à elle. C'est pas normal. Quelqu'un là, ceux qui sont mariés là, c'est pas normal. C'est une seconde même, tu penses à elle. Amen. Même le côté où elle est bête, même tu penses. Et puis ça te fait sourire. Alléluia. Alléluia. Ouais. Donc, tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu, alléluia. Amen. Et ne pas écouter, amen, ce qu'il te dit. Ne pas marcher comme un homme spirituel. C'est pas possible. La chrétienté, c'est pas possible. Alléluia. Ézéchiel se lève. Il dit, Dieu m'a montré en vision. Peuple de Dieu, il m'a montré en vision que, alléluia, vous êtes en train de vous inquiéter. Mais Dieu me dit maintenant que le peuple sera rétabli, que Israël sera réuni. Tous ceux qui étaient dans le désespoir étaient en train de dire amen, alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Ézéchiel est un vrai prophète. Pourquoi? Parce qu'au milieu d'eux, il se tenait comme un vrai prophète. Ce n'est pas un voleur. C'est quelqu'un, quand il parle de la part de Dieu, c'est concret, c'est clair. Amen. C'est quelqu'un, amen, on sait qu'il est bizarre. Souvent, Dieu lui dit de marcher sur le pied droit seulement. Il marche sur le pied droit, puis le pied gauche est élevé. Alléluia. Amen. On sait qu'il est bizarre. Amen. Quand on lui dit, il dit, c'est Dieu qui m'a dit. Alléluia. Oui. Lisez, amen. Il était bizarre. Il y a des moments, amen, il ne se lavait pas. Quelqu'un là? Mais il était marqué par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il marchait selon l'Esprit de Dieu. Il y a des personnes qui sont assises dans la maison de Dieu. Ils ont des révélations qui sont de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais cette révélation, au lieu d'être quelque chose de bénéfique pour amen, ça devient un problème pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas exécuter. Moi, je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas les enfants de Dieu. Quand Dieu ne te parle pas, tu dis Dieu ne me parle pas. Quand Dieu te parle, aïe. Dieu aussi, quand il me parle, vraiment, c'est trop bizarre. Comment il peut me dire de laisser tomber cette femme-là? Ah, Dieu, toi-même, tu as vu son style? Non, Seigneur. Comment il peut me dire, oui, je ne dois plus mettre tel truc? Mais Seigneur, toi aussi, c'est Dieu, hein? Cette histoire de marcher avec Jésus. Il faut dire à quelqu'un, la vie, c'est un choix. Je reprends. Il faut lui dire, la vie éternelle, c'est un choix. La vie éternelle, c'est un choix. Alléluia. Oui. Parce que quand tu veux marcher pour la vie éternelle, alléluia, je vous ai toujours dit, si tu n'es pas bizarre au milieu des gens, de ta famille, bizarre au milieu des gens, de tes collègues, alléluia, parce que tu es trop spirituel, alléluia, c'est que tu n'es pas encore converti. Alléluia. Vous n'êtes pas encore converti. Tu travailles dans un lieu, le Saint-Esprit te dit, écoute-moi, tu as vu cette personne-là, elle est dans des œuvres maléfiques.
Cette invite à la cafette, amen, n'y va pas. Toi, parce qu'on a dit non, tu dois être sociable. On peut être sociable et puis ne pas se mélanger avec n'importe qui. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Si tu veux évoluer dans la vie spirituelle, amen, 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 faut te retrouver avec ceux qui sont spirituels selon Dieu. Amen. Tu peux pas dire que tu es chrétien. Amen. Tu es avec les gens du monde. Mais Dieu aura quel temps pour te... Non. Quand tu viens dans le Seigneur, ce que tu faisais qui n'est pas à la gloire de Dieu, alléluia, tu laisses. Et le Saint-Esprit va agir dans ta vie. Alléluia. Il y a des gens pour t'encourager. Amen. Si par exemple, amen, il est dans les jeux de hasard, ou bien il dit, moi, tu vois, je suis chrétien, tous les dimanches, je vais à l'église. Mais, voilà quoi, je fais. C'est ma passion. Dieu m'a dit, et puis il ment. Il y a des gens qui prennent des versets bibliques pour mentir. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme je connais quelqu'un comme ça, que Dieu m'a permis, amen, qui est dans une province, amen, Dieu a permis que par le canal de sa femme, pour qui j'ai prié au téléphone, et Dieu lui a donné un enfant, amen, le monsieur, je l'ai réévangélisé. Il est reparti à l'église. Mais le truc, c'est quoi? C'est que son pasteur, c'est un fanatique du rugby. Et lui-même aussi, amen, c'est un fanatique du rugby, amen. Mais le gars, il est à l'église, amen, il ne sait pas prier. Il était à l'église depuis des années. Il ne sait pas prier. Il ne connaît même pas les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Il fait des choses abominables. Pendant que je prie avec lui, Dieu m'a révélé ce qu'il fait. J'ai dit non, ce que tu fais, ce n'est pas bon. J'ai commencé à l'expliquer. Pendant que tu pratiques ça, il y a un démon en face de toi. Il dit ah bon? J'ai dit oui. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois spirituel selon l'éternel Dieu. Il ne faut pas avoir peur de lui parler. Dis-lui, sois spirituel selon l'éternel Dieu. Alléluia. Oui. Mais si vous croyez que vous marchez avec Dieu, amen, et que vous serez normal comme tout le monde, non, vous êtes trompé de Dieu. Parce que si tu marches avec Jésus, amen, tu dois être bizarre. Est-ce que vous comprenez? Tu dois être bizarre. Tes amis, tu dois leur dire non, c'est bon, j'ai accepté que je vais me donner à fond à Dieu. Amen. Il y a des gens, amen. Moi j'ai vu, c'est pas qu'on n'a pas, on a vu. Moi dans l'église, je suis né, amen. Il y avait la Coupe du Monde. Amen. La finale de la Coupe du Monde. Les gens se posaient la question, est-ce qu'il faut être à l'église ou pas? C'était un dimanche. Alléluia. Ils ont voulu fermer. Je ne sais pas si vous pensez un peu. Pour vous montrer, alléluia, qu'il y a des gens, amen, amen. Parce que le pasteur, amen, il travaille le dimanche, il ferme l'église. Il dit non, si je laisse quelqu'un, amen, ils vont mettre du désordre. Alléluia. Mais attends, fais un choix. Quand on est spirituel selon l'éternel Dieu, amen, on fait comme Dieu nous demande. Alléluia. Au bout, Dieu va te récompenser. Quelqu'un est là? Regardez, aujourd'hui, on parle du prophète Ézéchiel. Amen. On parle de lui. Mais cet homme, amen, il était marqué. Et tout ce que Dieu lui disait, ça s'est arrivé. Dans le songe même, Dieu lui dit, parce qu'il est prophète, il est homme de Dieu. Dieu lui dit, prophétise. Il prophétise en vision et il voit que, amen, amen, il voit qu'il y a un mouvement. Amen. Ça, c'est l'esprit de la récomposition. Il voit un mouvement. Il voit que sur les eaux, amen, il commence à avoir des chairs. Il commence à avoir la peau. Alléluia. Mais il voit que les gens qui sont retrouvés le corps, amen, ne respirent pas. Le Saint-Esprit lui dit, appelle l'esprit des quatre vents. Et puis maintenant, il profite. Il dit, esprit des quatre vents. Et l'esprit vient. Alléluia. Ce que Dieu te montre en songe, les combats que Dieu te fait mener en songe ou bien en vision, alléluia, ou dans la prière, amen, cela se concrétise d'abord dans le spirituel et après dans le physique. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. On y va. Jérémie 1, verset 4 à 8 et Jérémie 29, verset 11. Ce sont des versets que nous connaissons, nous avons utilisés, alléluia. On va prendre le côté spirituel de la chose. J'aime beaucoup ce verset. Jérémie 1, verset 4 à 8, amen. Et Jérémie 29, verset 11, il dit quoi? Vas-y. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Au sortir de cet enseignement, soyez spirituel selon l'éternel Dieu. Amen. Parce que si tu n'es pas spirituel, même dans ta communauté où nous sommes,
Amen. Il y a des choses que Dieu va te demander de faire. Alléluia. Alléluia. Il faut arrêter de mettre votre volonté d'abord à l'avant. Amen. Arrêtez. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je suis en train de prophétiser. Il faut arrêter. Amen. Dieu m'a donné de dire, de donner cet enseignement aux enfants de Dieu. Amen. Quand tu es spirituel selon Dieu, amen, ta vie va avancer. Vas-y, dis quoi? Jérémie 1, verset 4 à 8. Alléluia. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Yes. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Yes. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je répondis, ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Vous entendez là? Doucement. Ouais. Dieu peut te montrer des choses terribles, même en vision et en songe, parce que tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit dans ta vie, dis-lui. Est un esprit de grandeur, de puissance et de gloire. Quand le Saint-Esprit te montre un songe, amen, il te montre en train de prier pour une femme, en train de prier pour un homme, il te montre, alléluia, dans un lieu, alléluia, ou même, vous qui avez des entreprises, ou bien vous qui allez avoir des entreprises, ou bien vous qui travaillez dans un lieu, Dieu est en train de te montrer un songe, tu es dans ton magasin, au lieu de vendre un vêtement, tu es en train d'évangéliser quelqu'un, ça il te montre un songe, hein. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, fais-le. Fais-le. Dis-lui ce jour-là, si tu vas avoir une bonne journée, fais-le. Fais-le. Alléluia. Oui, Dieu peut te... Amen. Alléluia. Je vous ai dit, j'ai reçu des gens comme ça. Amen. Un homme qui s'est retrouvé chez son avocat. Pendant qu'il parlait à l'avocat, l'avocat le regarde. Il dit, toi, ton problème, il est spirituel. Je te donne le nom d'un homme de Dieu. Il dit, mais... C'est bizarre ça. Alléluia. L'avocat dit, ton problème, il est spirituel. Moi, je connais un homme de Dieu qui peut t'aider. Je te donne deux adresses. Le premier, il n'a pas eu son... Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Le monsieur est venu vers moi. Alléluia. Vous voyez? Parce que, amen, tu peux être même dans ton métier. Alléluia. Mais parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Dieu te parle. Il te révèle les choses à la veille. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Il te révèle des choses claires. Tu peux travailler dans la maison des gens. Amen. Et Dieu te parle de leur vie. Amen. Toi, tu es là. Ah, si je parle même, amen. Et surtout, amen, malheureusement, amen, si c'est un Africain ou bien quelqu'un qui est noir, quand il travaille chez un Européen, ah, les Européens sont tellement incrédules. Hey, ça, comment je vais faire si je parle? Non, mais attendez. Attendez là. On n'est pas là. Et, quand tu es dans le Seigneur, alléluia, les barrières tombent. Alléluia. Ou bien par exemple, amen, si c'est un Européen, amen, dit, ah, celui-là, amen, vraiment, ah, je lui donnais un songe. Non, non, si je lui dis ça, il va me prendre pour quelqu'un de bizarre, oh, qui me respecte. Non, tu dois parler de la part de Dieu. Il s'agit du salut des gens. Alléluia. Dieu te parle pour ta femme ou bien ton mari qui est à la maison. Amen. Dieu te dit aujourd'hui, amen, c'est le temps que tu lui parles de moi. Amen. Tu l'évangélises, amen, parce que je veux voir ton mari à la maison, dans la maison de Dieu. Entends, il t'a insulté hier. Alléluia. Il t'a insulté hier. Comment faire? Dis à quelqu'un, obéis. Parce que le diable sait que Dieu t'a parlé. Amen. Le diable sait. C'est pour cela que d'avance, amen, il est venu vers Jérémie. Il dit à Jérémie, tu dis c'est Dieu qui t'a parlé. Toi aussi. Quand toi tu regardes le peuple qui est devant toi, amen. Ils ne sont pas têtus. Souviens-toi de Moïse. Jérémie, elle a dit, hé, hey, Seigneur. Alléluia. Il réfléchit, il dit, je suis trop petit. Le Seigneur dit, ne dis pas que tu es petit, vas-y. Amen. Et l'Éternel me dit, yes. Ne dis pas que je suis un enfant. Amen. Car tu auras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras de tout ce que je t'ordonnerai. Yes. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Vous voyez? Donc, quand tu es spirituel, verset 29 à 11, Jérémie 29 à 11, et puis je vais commenter, amen, pour qu'on comprenne. Il dit quoi? Ensuite,
Oui, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Yes. Projets de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. Un homme qui n'est pas spirituel selon l'Éternel Dieu ne peut vivre pleinement sa venue sur terre. Virgule. Je m'arrête là d'abord. Amen. Quand tu n'es pas spirituel selon Dieu, alléluia, alléluia, ce que Dieu a mis sur toi avant que tu ne naisses, alléluia, tu ne pourras pas le vivre pleinement. Amen. 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 Tu ne pourras pas le vivre pleinement. Dieu te révèle sa parole. Alléluia. Et dans sa parole, il te dit amen, que toi, je t'ai mis à part. Et pendant que tu es en train de voler, pendant que tu rentres dans l'église, Dieu est en train de t'enseigner ce qu'il veut faire avec toi. Que ce soit dans la vie active ou même dans l'église. Si tu ne le fais pas, comme Dieu te demande, dis à quelqu'un, écoute la révélation de la parole de Dieu. Écoute la révélation de la parole de Dieu. Si tu ne fais pas comme l'Éternel Dieu te demande, amen, tu ne pourras pas vivre pleinement ta grâce. Amen. Qui souhaite marier un mari, alléluia, amen, qui est gentil le matin et qui est bizarre le soir? Personne. On est d'accord? Qui souhaite, alléluia, aller dans un travail, alléluia, et amen, il ne fait que bavarder. Il n'est pas content toute la journée, mais le jour où il est content, c'est là où son salaire tombe. Alléluia. Amen. Il y a un problème. Non. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu ne peux pas marcher avec l'Éternel Dieu, alléluia, et ne pas penser spirituel. Tu ne pourras pas vivre, amen, toute la grâce de Dieu qui t'est promise. Ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un est là? Ce n'est même pas faisable. En ce moment-là, Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Il dit à Jérémie, non, ne te dis pas que tu es petit. C'est moi qui t'ai choisi. Alléluia. C'est moi qui t'ai choisi. L'esprit que j'ai mis en toi, alléluia, quand tu vas aller parler à qui de droit, amen, tu vas voir. Amen, je serai avec toi. Plus loin, il dit à Jérémie. Plus loin, quand tu lis même dans Jérémie, amen, au verset 19, il dit, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. C'est pour vous expliquer qu'Ézéchiel était marqué. Il s'est dit, si je vais parler à ces gens, amen, ils m'ont déjà cru. Là, on est dans Ézéchiel 37, alléluia. Ils l'ont déjà cru, ils ont déjà vu la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. C'est vrai que ces prophéties étaient dures souvent. Amen. Mais ils ont déjà vu la gloire de Dieu. Alléluia. Donc maintenant, il n'avait rien à perdre. Il a dit, vous là, venez, je vous parler. Amen. Cette fois-ci, il leur annonce une bonne nouvelle. Tout le monde applaudissait Ézéchiel. Alléluia. Oui. Ce n'est pas tous les jours que tu vas dire les choses de la part de Dieu qu'on va t'applaudir. Amen. 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 On ne va pas t'applaudir tout le temps. Il y a des moments où on va te rejeter. Mais cela dit, dis à quelqu'un, avance. Avance. Dis à quelqu'un, avance. Avance. Dis à quelqu'un, avance. Avance. Ne pas... Alléluia. Donc, je t'ai dit quoi? Que un homme qui n'est pas spirituel selon l'Éternel Dieu ne peut vivre pleinement sa venue sur terre. Il ne peut pas accomplir la mission d'un enfant de l'Éternel Dieu sur terre. Alléluia. Il ne peut pas atteindre le but que l'Éternel Dieu donne à tous ses enfants sur terre. Il y a des gens, je vous ai déjà dit et je vous répète, il y a des gens qui sont morts aujourd'hui là, avant le temps de Dieu. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui, alléluia, et sur leur tombeau, alléluia, amen, leur grâce là, la partie de leur grâce là circule là-bas. Ce que je vous dis, ne prenez pas ça pour une rigolade, mais c'est vrai dans le spirituel. La preuve en est, si ce n'était pas vrai, les mystiques n'allaient jamais dire aux gens d'aller faire souvent des incantations au cimetière. Quand même, quand tu es intelligent. On te dit non, va te mettre au cimetière, alléluia, va dormir sur un tombeau. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les mystiques savent que, alléluia, amen, ils savent que souvent, il y a des gens qui sont morts, ils n'ont pas accompli tous leurs projets. En général, quelqu'un qui meurt, qui n'a pas accompli tous ses projets, tous les projets auxquels l'Éternel Dieu l'a appelé, alléluia, en général, je dis en général, mais il se retrouve en enfer. C'est rare qu'il se retrouve au paradis. Pourquoi? Parce que souvent, amen, c'est au dernier moment, la personne, alléluia, peut prier pour demander pardon à Dieu. Moi, j'ai connu un pasteur comme ça. Alléluia. Le pasteur était bien avec sa femme. Du jour au lendemain, le pasteur a pris une deuxième femme. Alléluia. Mais il est mort dedans. Amen. Mais je me rappelle,
avant de mourir, tout son temps, c'était la repentance. Il demandait pardon à Dieu seulement. Alléluia. Il demandait pardon. Parce qu'il s'est rendu compte, amen. Parce que je me rappelle, on parlait ce jour-là, amen, des choses spirituelles. Je lui ai expliqué certaines choses. Alléluia. Mais aujourd'hui, le pasteur est mort. Mais je vous dis, et c'est vrai, il passait tout le temps dans la repentance. Et Dieu, vous savez, Dieu, quand Dieu vous aime, quand Dieu ne veut pas perdre votre âme, amen, il crée une situation favorable. Dieu l'a permis qu'il soit attaqué par une grave maladie. Vous voyez? Parce que quand tu es attaqué par la grave maladie, tu vas te dire, on n'a pas besoin même de venir te donner une révélation. Tant que tu vas savoir que j'étais enfant de Dieu. Il y a des choses que je ne dois pas faire. Alléluia. Maintenant, je suis rentré dans ces choses-là. Je suis atteint de telle maladie. Qu'est-ce que je fais? Si je suis intelligent, je dois prier maintenant pour demander pardon à Dieu. C'est pas ça? Alléluia. Parce que tel que tu es malade, tu ne peux plus aller chez ta seconde épouse. Tu vas aller faire quoi là-bas? Alléluia. Parce que l'envie même d'aller au lit, là, c'est plus ce qui est dans ta tête. Quelqu'un me dit ça, c'est vrai? Quelqu'un me dit ça, c'est vrai? C'est quitter dans ta tête, alléluia, parce que tu te cherches maintenant dans la prière. Oh Seigneur, j'ai un cancer. Pardonne-moi, Seigneur, je reconnais. Dieu même ne t'a pas encore parlé, toi-même tu reconnais. Je reconnais, Seigneur, j'ai mal ici, c'est moi-même, c'est de ma faute. Amen. Dieu peut, tu vas mourir dedans et puis tu es sauvé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est très important de comprendre ça. Amen. Je connaissais comme ça une femme. Alléluia. On s'était perdu de vie il y a longtemps. Et le Saint-Esprit va permettre qu'on se rencontre. Amen. Et pendant qu'on se rencontre, elle me dit, papa, je te cherchais. J'ai dit, comment? Elle me dit, non, ça ne va pas. Je suis allé dans mon pays. Je marchais dans la capitale, amen. J'ai senti un coup dans mon dos. Je suis tombé en pleine ville. Et depuis ce jour, quand elle est revenue sur Paris, elle ne se retrouvait plus. Alléluia. La dame était dans le concubinage. Mais comme c'est un enfant de Dieu, et l'homme avec qui elle était là, il a fait de Jésus, ça ne l'intéressait pas. Amen. J'ai prié avec la dame. Elle s'est repentie. Elle s'est repentie. Elle a demandé pardon à Dieu. Amen. Elle était à l'hôpital hospitalisé. Là-bas, là, il n'y a plus de rapport sexuel. En temps normal. Alléluia. Là, elle est au lit, là. On peut prier maintenant. Amen. C'est dedans que Dieu l'a prise. Son âme est sauvée. Pourquoi? Parce qu'au dernier moment, alléluia, Dieu a créé une situation en sa faveur. Mais c'est pas, je ne vous souhaite pas ça. Ce que je vous souhaite, amen, c'est de rentrer dans tout le projet de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu dois rentrer dans tout le projet de Dieu, alléluia. Amen. De la manière dont tu allais arracher ton mari. Amen. Il faut que ton mari soit converti. De la manière dont tu as arraché ta femme. Il faut qu'elle soit convertie. Alléluia. Amen. Jusqu'au dernier moment, toutes tes prières que tu fais là, dis à quelqu'un, une prière, dis-lui, une prière. Il faut que ta femme ou bien ton époux soit converti. Alléluia. J'étais en train de prier avec une soeur. Pendant qu'on priait, quand on devait passer à une autre étape, le Saint-Esprit me dit, il faut lui poser une question. Elle pense à quoi? C'est quelle pensée qui la dérange? Alléluia. Amen. Je lui pose la question. Elle me dit, papa, je te dis un truc. Que mon premier compagnon avec qui j'étais là, c'est un témoignage vivant. Alléluia. Ça, Dieu me dit. Pourquoi? Parce que ça l'a dérangé. Amen. Elle est mon premier compagnon avec qui j'étais. Jusqu'à présent, je me pose la question, est-ce qu'il est en enfer ou bien est-ce qu'il est au paradis? Parce qu'un jour, j'étais chez moi. On était chez nous. J'étais assis chez nous. Et il y a un jeune homme qui est rentré. Il dit, je viens de la part du Saint-Esprit. Le jeune homme lui dit, il lui donne des révélations sur sa vie. Et il lui donne une révélation sur son compagnon. Il dit, il faut dire à ton compagnon d'accepter Jésus. Sinon, il va faire un accident. Hein, d'abord. Et dans l'accident, même, il va retomber encore malade. Et dedans, il risque de perdre sa vie. Dis-lui d'accepter Christ. Le monsieur arrive. Elle lui dit, ah, chérie, voilà, il y a un jeune homme qui est venu me parler de la part de Dieu. Il m'a expliqué ça, ça. Il dit, arrêtez vos histoires. Amen. Amen. Le jeune homme parle tant. Et parce que quand il parle, il dit à la dame, il faut que tu pries, amen, et puis que tu fasses une offrande à Dieu. Alléluia. Amen. Lui, c'est la partie offrande, là, c'est ce qu'il a attendu. C'est ça, c'est comme ça, voilà. Tu donnes ton argent à n'importe qui, là. Alléluia. La semaine qui suivait, il a fait accident. Alléluia. Il a fait l'accident.
Ensuite, amen, dedans, pendant qu'il était dans l'accident, amen, il a piqué une crise, il a eu AVC. Tout ce que le jeune homme a dit de la part de Dieu est arrivé. Le jeune homme a dit, il a dit à la soeur, il dit, le Saint-Esprit m'a envoyé vers toi pour te parler. Alléluia. Amen. Donc maintenant, la dame, la soeur, qu'est-ce qu'elle va prier, prier, intercéder, appeler son pasteur. Le monsieur, maintenant, il est paralysé. Parce que, attends, vous savez, même si tu es fou, arrivé un moment, tu deviens raisonnable. C'est assis, elle a dit, quand même dans il était à l'hôpital, il n'entendait pas, il ne parlait pas. Elle a dit, est-ce que je peux envoyer, je peux amener des pasteurs pour qu'ils prient pour toi. Le monsieur a fait comme ça. Alléluia. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Quand le monsieur sort, pendant qu'on prie pour lui, il sort, il est dans la rééducation. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va utiliser encore des hommes de Dieu. Ils viennent maintenant l'évangéliser. Ils viennent parce qu'il ne peut pas, il peut plus se déplacer. Il ne peut pas se déplacer pour aller à l'église. Amen. Il accepte le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. La dame a posé un acte devant Dieu de foi. Elle a donné une offrande à Dieu pendant qu'elle a prié pour lui. Sinon, il mourrait. Dis à quelqu'un, sois spirituel selon l'éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pendant que elle est en train de s'occuper de son compagnon, l'homme de Dieu, qu'elle allait voir où elle était, il se déplaçait maintenant pour évangéliser le monsieur. Il se déplace, il fait accepter, il dit, est-ce que tu vas accepter le Seigneur? Le monsieur dit, oui, je vais accepter le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que pendant qu'il sort de sa maladie, tout ses frères viennent le prendre pour l'amener chez des féticheurs. Alléluia. Alléluia. La dame dit, elle ne veut pas, mais elle sait que si elle ne veut pas, la belle famille va monter sur la main. Elle était obligée de subir. Elle dit, je suis allée même dans ce coin-là avec lui. Arrivé là-bas, le féticheur m'a regardé, il m'a dit, toi là, il n'y a rien sur toi, mets-toi de côté. Là-bas encore, même le féticheur, il confirme, mais il dit, tu vas mourir. Il lui a dit, tu vas mourir. Il lui dit, il va mourir. Elle dit, mais je vous ai dit, laissez-nous dans le Seigneur. Et quand le monsieur est sorti de là, quand le pasteur a dit, est-ce que tu vas accepter Christ? Il dit, oui, je vais accepter Christ. Et pendant qu'il accepte Christ, quand le pasteur, puisqu'il ne peut pas se déplacer, le pasteur vient lui prêcher la parole à la maison. Mais il dit, pendant que le pasteur veut prêcher, il dit, pasteur, les versets bibliques, moi je vais lire. Et puis il commence à lire les versets bibliques. Quelqu'un qui n'aimait pas Dieu, quelqu'un qui rejetait Dieu, est-ce qu'on peut acclamer l'éternel Dieu pour cela? Alléluia. Amen. Je dis à la maman, voilà. Si Dieu m'a dit ça, amen, ça peut te dire quoi? Tranquillise-toi, le monsieur est au paradis. Elle dit amen. Tu vois, dans la délivrance, c'est une autre délivrance. Alléluia, pourquoi? Parce qu'elle était spirituelle. Amen. Elle s'est laissée guider par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et maintenant, Dieu lui montre qu'il ne faut plus t'inquiéter, que cet homme est sauvé. Amen. Il est sauvé. Amen. Je lui dis, mais tous les enfants que toi tu as eu avec le monsieur là, dis-moi, ils ne sont pas dans le Seigneur? Elle me dit si, il dit voilà. Parce que le diable il sait. Amen. Un chien, amen, il ne peut pas enfanter un chat. En général, quand tu es dans la maison de Dieu, alléluia, ou bien tu ne connais pas Dieu, que tu as accepté Christ, alléluia, tes enfants, amen, ton mari, tout le monde va accepter le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que c'est écrit. Alléluia. Il y a une dame comme ça, une femme qui est mariée avec son mari, c'est le plus grand persécuteur même de la dame. Pendant 41 ans. Je crois que c'est 40 ans, alléluia. Au moment où le monsieur devait, alléluia, mourir là, il a accepté Jésus. C'est-à-dire 40 ans de vie commune, il persécute sa femme. Mais elle est spirituelle, elle reste dans la prière. Elle prie. La grâce de Dieu est sur eux à cause d'elle. Amen. Au dernier moment, le monsieur accepte Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Soyons spirituels selon l'éternel Dieu. Le monde qui nous entoure, alléluia. Si tu veux raisonner comme eux, Dieu ne te connaît pas. Si tu veux raisonner comme eux, amen, tu n'auras pas ce que Dieu t'a promis sur terre et dans la vie éternelle. Ne vous, c'est pas la peine de vous tromper. Hein. Amen. Si vous croyez que non, que moi, je garde mon argent, ou bien moi, Dieu m'a dit, parce que souvent Dieu te dit non, ne travaille pas dans tel lieu, il faut travailler dans tel lieu, amen. Non, moi, attends, je suis dans la réalité, il faut qu'on soit dans la réalité.
Enfant de Dieu, la réalité n'est pas la vérité. Amen. La réalité souvent n'est pas la vérité. Et dans les choses spirituelles, amen, la réalité n'est pas la vérité. C'est la vérité de Dieu qui est la vérité. Amen. Parce que pourquoi? Tu peux voir un homme qui est bien habillé. Tu peux voir une grande société. Tu peux aller travailler dans un lieu. Amen. Tu vois que tout est doré là-bas. Alléluia. Mais c'est quand tu rentres là-bas. Moi, je me rappelle d'une dame. On a des soeurs souvent qui travaillent dans le 16e arrondissement chez des bourgeois, tout et tout. Amen. Amen. Mais quand tu expliques comment les gens vivent, alléluia. Alléluia. Amen. Ouais. C'est là que tu dis, ouais. L'apparence trompe. Parce qu'il y a des gens qui ont été éduqués à la dure. La dame l'amène. Chez elle, là, on lave vêtements, amen. C'est pas dans la machine souvent. Parce que les bourgeois l'amènent souvent. Leur fauteuil là, c'est des fauteuils qu'ils ont, amen, ça fait, c'est là, c'est longtemps. Amen. C'est là, ça peut peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils ont hérité même de leurs parents. Amen. Amen. Mais attends, il y a des gens, amen, chaque année, ils veulent changer de fauteuil. Chaque année, ils veulent changer de voiture. Mais comment tu peux investir dans l'œuvre de Dieu? Comment tu peux investir, amen, dans les choses essentielles pour Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Sois spirituel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ézéchiel est là pour nous indiquer comment il faut marcher. Dieu nous connaît. Lorsque, amen, nous laissons guider par lui. Il nous bénit en fonction, amen, alléluia, des actes spirituels que nous posons. Quelqu'un est là? Dis à quelqu'un, sois spirituel. Selon l'éternel Dieu. Soyez spirituel. Parce que, amen, tout ce qui nous arrive de malheur ou de bon, amen, il y a son côté spirituel. Quelqu'un est là? Il y a toujours son côté spirituel. Amen. Toujours. Toujours. C'est pour cela que, amen, moi je bénis Dieu. Quand quelqu'un porte un projet dans sa vie, amen. Alléluia. Et puis quand il vient me dire non, Dieu m'a dit de me marier, ou bien Dieu me dit de travailler là. J'ai dit, est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Vous comprenez? Est-ce que c'est Dieu? Parce que quand tu n'as pas le projet de Dieu dans ton ventre, amen, amen, et que tu as attaqué, alléluia, tu peux laisser tomber. Mais quand c'est de Dieu, alléluia, parce que tu as été ferme sur le plan spirituel, tu as combattu, amen, amen. Il y a une personne ici que j'admire beaucoup, alléluia, amen. Il y a des enfants de Dieu aussi que j'aime beaucoup. Parce que souvent, amen, il y a des personnes qui m'appellent, je les amène toujours dans le spirituel. Dieu t'a parlé, non? Tu dis oui. Ok, amen, alléluia. Donc je te parle en fonction de ça. Je ne vais pas dire le contraire. Pourquoi? Parce que si l'homme de Dieu veut t'amener sur le contraire, amen, il va te faire sortir de la vision que tu as reçue. Et ça, c'est diabolique. Alléluia. Oui. On n'a jamais dit que, amen, parce que tu marches sur une vision spirituelle, amen, alléluia, que tu ne seras jamais attaqué. Je suis désolé. Je suis désolé. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Quand tu es dans les choses spirituelles, alléluia, ça peut être difficile. Mais écoute-moi, je connais une femme enceinte qui a enfanté. Alléluia. Elle a dit, je ne vais plus prendre une grossesse. Un an après, elle a envie de prendre. Alléluia. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais vu une femme normale. Lorsqu'elle accouche, alléluia, elle est en train de rigoler. Ça n'arrive pas. Même quand on donne la péridurale, après là, tu vas ressentir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ézéchiel, il était spirituel. Soyons spirituels. Alléluia. La Bible nous a dit encore, amen, pour terminer. Alléluia. Dans amen. Je reviens au départ, alléluia. On avait pris 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Il dit quoi? Ouais, vas-y. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Oui, je vous ai dit que je vais prendre le temps pour enseigner là-dessus. Pourquoi? Parce que, amen, une église sans femme et homme spirituel, alléluia, alléluia, c'est une coquille vide. C'est pour cela que je préfère travailler avec des personnes qui sont spirituelles. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Oui. Quand quelqu'un est spirituel, alléluia, c'est important. Amen. Tu peux gagner 10 ans avec lui. Mais quand quelqu'un est charnel, amen, il y a des gens, même Dieu même vient leur parler. Dieu les réveille, leur parle. Il leur montre des visions, des songes, alléluia. C'est clair dans leur esprit. Dis à quelqu'un, tu parles.
Dis à quelqu'un, tu parles. Ces personnes, amen, ils vont remettre les choses en question. Pourquoi? Parce que, amen, c'est les choses charnelles qui les intéressent. Est-ce que tu es là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tu entends? Alléluia. Donc la parole de Dieu dit quoi? Dans 1 Corinthiens 3, au verset 1 à 3, il dit quoi? Mais super. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Ça, c'est Paul qui est en train de parler, hein, l'apôtre Paul. Mais comme à des hommes charnels. Oui. Comme à des enfants en Christ. Yes. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Yes. Car vous ne pouviez pas la supporter. Yes. Et vous ne le pouvez pas, même à présent. Amen. Parce que vous êtes encore charnel. Yes. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, voilà, des disputes, ouais, n'êtes-vous pas charnel? Je vais ajouter, arrête. Il y a des disputes, amen. Il y a des critiques vis-à-vis des autorités établies à l'église. Il y a des murmures, il y a des raisonnements. Amen. Il y a du vol dans l'église de Dieu. Il y a aussi, amen, alléluia, la sorcellerie. C'est là, il dit, mais attendez, tout ce que vous voyez dans les églises du passé, amen, on le voit dans l'église aujourd'hui, dans nos églises. Amen. Au lieu d'aller à l'essentiel, amen, il y a des gens, moi, ils ramènent tout à eux. L'église, c'est pas comme ça. L'église, c'est d'abord mettre Dieu en avant. L'œuvre de Dieu en avant. Penser à Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Alléluia. Comment je dois soutenir les serviteurs servants de Dieu? Alléluia. Alléluia. C'est important. Amen. Au lieu de se mettre, amen, en aparté. Amen. Même il y a d'autres en plein culte. Ils sont en train de parler. Ah, j'avais dit ça au pasteur. Ah, tu as vu? Et ça est en train d'arriver maintenant. Ah, moi, j'avais parlé. Oh. Il y a d'autres en plein culte. Hein. Ils parlent comme ça. Alléluia. En plein culte, amen. Pendant qu'on est en train d'adorer, amen, il dit, allô, mais on dit quoi? Ça, c'est en plein culte, amen. Il parle, on dit quoi? Mais je ne t'ai pas vu samedi. Ça, c'est en plein culte. Alléluia. 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 N'oublie pas, hein, là on entend dire, adorer Dieu. N'oublie pas, après le culte, on a un ken là, on doit se voir. Il faut qu'on se parle là. Ne va pas vite. Oh Seigneur. Ça, c'est en plein culte. Hein. En plein culte. Mais tu es charnel. Tout ce que tu reçois, que même Dieu t'a promis, amen, tu risques de le perdre. Pourquoi? Parce que tu mets les choses charnelles avant. Alléluia. On veut vous voir évoluer. Amen. Enfant de Dieu. On veut vous voir évoluer. Alléluia. Amen. Je dis à des personnes ici, je suis contente de ces personnes. Pourquoi? Alléluia. Parce que, alléluia. Amen. Amen. On prie, on parle. On expérimente la gloire de Dieu ensemble. Le 31, il aura de grands témoignages ici. Amen. Amen. Il y a des gens qui vont nous édifier. Amen. C'est important. Alléluia. Je connais cette soeur, amen. Amen. Qui m'expliquait. Alléluia. Elle me dit, le Seigneur me ramène à l'église. Mais heureusement, pourquoi? Parce que les moments que je vis, voilà. Je lui fais comme ça. Parce que la personne obéit. Dieu est en train de délivrer la personne d'une manière. Elle dit, papa, tu m'as dit de faire ça, j'ai fait ça, amen. Mais je priais. J'ai tellement vomi. Il dit, amen. Il faut être spirituel. Amen. Ce n'est pas vos petits travaux que vous avez encore qui est dans le plan. Non. Dieu te donne. Attends, tu as par exemple 1000 euros. Amen. Alléluia. Tu veux par exemple, amen, voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dieu peut, tu peux prendre la moitié pour dire je fais un don à l'église. Amen. Amen. J'ai vu quelqu'un dans cette assemblée. On n'est pas une foultitude. Alléluia. Qui a fait un don de 6000 euros. Pourquoi? Parce que Dieu a touché son cœur. Parce que la personne a compris que, amen, dans les enseignements, il faut donner dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Mais toi, tes petits héros là, c'est fini. Hein? On dit, donne, t'as dit, hein, quoi,
Donc, quoi, mais c'est spirituel. Amen. On dit mettez le nom sur. Amen. Il y a des personnes qui ne mettent pas le nom. Dieu dit, te sera fait selon que tu fais. C'est écrit dans la Bible, non? Amen. Si tu négliges ce qu'on te demande, mais Dieu va te négliger aussi. Ça là, tu n'es pas dans, dans une maison de païens. Tu es dans la maison de Dieu. Réveillons-nous. Les choses spirituelles, amen. Tu veux avoir la victoire. Tu veux posséder toute une ville. Tu veux... Tu comprends ce que je dis, alléluia. Tu veux avoir, tu veux atteindre le but que l'éternel Dieu te donne, amen. Faut être violent dans tes actes. Alléluia. Faut être violent. Amen. Tu peux t'asseoir pour dire, bon Seigneur, je vois que ma communauté, ouais, il y a telle difficulté, mais je donne ça, je fais ça, alléluia. Je vois des frères et des sœurs qui se comportent ici dans la maison de Dieu, comme ça. Que Dieu vous bénisse. Vous ne savez pas comment je prie. Demandez, ce matin je priais. Je maudissais tous ceux qui maudissent cette œuvre. Et je demandais à Dieu, amen, alléluia. Si ils attaquent cette œuvre, alléluia, et que, amen, ils disent qu'ils n'arrêtent pas, amen, je dis, Dieu, règle leur compte même dans la mort. Pourquoi? Parce que, alléluia, ils vont voir maintenant mon Dieu. Le Dieu de vengeance, alléluia. Amen, je ne sais pas pourquoi. Moi, je me lève, je vais prier pour Dieu. Le Saint-Esprit me dirige là-bas, je prie contre là, je dis vengeance. C'est spirituel. Si je n'obéis pas, amen, ils vont commencer à dire, ah non, on les a eus. Non, ils ne savent pas, il y a vengeance derrière. Alléluia. Je dis à l'éternel Dieu, venge-nous maintenant. Amen. Faut venger ce peuple. Alléluia. Tous ceux qui ont été victimes de la sorcellerie. Amen. Amen. Qui sont éloignés de l'église. Tous ceux qui vivent ce mal, tous ceux que je ne peux pas délivrer dans le nom de Jésus-Christ, à cause de ce que les sorcières par le chemin, je prie que le mal qui est sur eux soit déporté sur leur vie. Ça, j'ai prié. Et c'est ce qui va arriver au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je suis un loin de l'éternel. Je n'ai pas l'habitude de prier comme ça. Oui. Frère spirituel. Frère spirituel. Si vous n'êtes pas spirituel, alléluia. Amen. Il y a des sorciers qui t'attaquent souvent, amen. Dieu te dit d'appeler la mort contre lui. Ah, mais dans la Bible où Jésus a dit qu'il fallait tuer. Ah bon? La Bible, je t'apprends que ce n'est pas seulement le Nouveau Testament. Il y a l'Ancien Testament. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Mais il faut faire ça selon l'Esprit de Dieu. Amen. Il ne faut pas te lever pour tuer tout le monde. C'est quoi? Tu as une mitraillette? Non. Il y a des sorciers, amen. Les sorciers, les mystiques, amen. Ils n'arrêtent pas. Quand vous voyez, ils arrêtent, il y a d'autres qui ont une mission. Ils ont dit au diable que tant qu'ils ne vous voient pas par terre, ils ne vont pas arrêter. Un homme comme ça qui peut l'arrêter, c'est la mort. Tu crois que c'était prière? Au nom de Jésus, laisse-moi. Oh, tu me fatigues. Laisse-moi. Amen. Jésus t'aime. Je ne veux pas te tuer. Oh. Allez, ah bon, ça, c'est toi qui vas mettre par terre. Mais quand tu commences à proclamer, éternel, que ta vengeance soit sur sa tête. S'il a dit qu'il va me tuer, Seigneur, que le contraire lui arrive maintenant, qu'il soit mort avant moi, au nom de Jésus-Christ. Tu pries comme ça là, il y a quoi? C'est écrit dans la Bible. Élie là, il a égorgé 400 combien? Prophètes de Baal, si je ne me trompe pas. Alléluia. C'est Dieu qui a demandé. Avec les sorciers, on ne joue pas. S'il t'envoie à mettre des piquants, tu ne donnes pas des bonbons. Alléluia. Alléluia. Frère spirituel. Amen. Il y a des gens, tu voulais voir en songe, ils arrivent à t'attaquer. Amen. T'es là. Moi-même, vraiment, toujours je vois la personne. Vraiment. Ils sont sorciers. Hein? Faut rester, faut prier. Ils sont sorciers. Oh, vraiment. Oh, oh. Et Dieu. Toi-même, hein? Non. Non. Lève-toi maintenant. Faut proclamer. Faut proclamer. Dieu ne te montre pas pour te montrer. Il te montre pour que tu te décides. Soit la personne sera arrêtée par ta prière, amen. Amen. Mais ça dépend de la prière que tu fais. Est-ce que quelqu'un peut bénir l'éternel Dieu? Amen. Est-ce que nous sommes édifiés ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel Dieu? Alléluia. Amen. Ton acclamation, on dirait que tu as été trop sonné là. Alléluia. Alléluia. On va se tenir debout dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas refuser maintenant. Alléluia. Tu vas refuser maintenant les œuvres de la chair. Et tu vas accepter maintenant, amen, d'être spirituel selon l'éternel Dieu.
Tu vas dire dans ta vie, amen. Tu vas dire dans ma vie. On y va, on prie ensemble, tout doucement. Tu dis dans ma vie. Dans ma vie. On prie ensemble. Il faut prendre au sérieux ce que je dis. Dans ma vie. Dans ma vie. Dis dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Je ne t'entends pas. Réveille-toi. Ah, je t'ai pas trop sonné comme ça. Alléluia. Dis dans ma vie. Dans ma vie. Cette prière, elle est essentielle. Dis dans ma vie. Dans ma vie. Si j'ai été lié. Si j'ai été lié. Si mon identité. Si mon identité. Aux œuvres de la chair, au temps où je dois proclamer les œuvres spirituelles selon l'éternel Dieu, par le feu de la parole de l'éternel Dieu que j'appelle sur ma vie, par le feu, par le feu de la parole de l'éternel Dieu que j'appelle sur ma vie, je détruis les œuvres maléfiques qui contrôlent ma chair, qui me poussent à mettre les pensées charnelles en lieu et place des pensées spirituelles. Je détruis par le feu, par le feu dévorant de l'éternel Dieu. Je détruis, je détruis, je détruis les actions maléfiques qui ont été commandées contre moi. Je détruis, je détruis, je me dégage de toute œuvre charnel en lieu et place des actions spirituelles au nom de Jésus Christ. Mets la main droite sur la tête maintenant. Tu dis j'accepte d'être spirituel selon le Saint-Esprit. Soyez disposés, tout le monde ferme les yeux maintenant. Pendant que je parle, j'appelle le Saint-Esprit sur toi maintenant. Le Saint-Esprit vient maintenant sur ta vie. Don de révélation, ton don de songe et d'explication de songe, ton don de vision, parce que tu as contesté la parole de Dieu, les sorciers ont tout fait ton don. Mais maintenant, dans le nom de Jésus Christ, dis je me repens devant l'éternel Dieu et je renonce toute fois que j'ai posé un acte qui ne glorifie pas l'éternel Dieu. Je me sépare. Si des gens souffrent à cause de moi parce que je n'ai pas fait ce que l'éternel veut que je fasse, si l'église de Dieu souffre à cause de moi devant l'éternel Dieu, je me repens, je me repens, je renonce corps, âme et esprit dans le nom de Jésus Christ. Dans le nom de Jésus Christ. Je prie maintenant, laisse toujours la main sur la tête. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit renouvelle. Saint-Esprit édifie. Saint-Esprit touche. Touche la vie de cette femme. Restaure la vie de cette femme. Restaure dans cette difficulté. Dans cette difficulté, elle n'arrivait pas maintenant à t'entendre. Elle ne voit pas maintenant ta volonté parce que elle a fait des choses. Elle a préféré faire des choses charnelles en lieu place de ton esprit. Mais maintenant, tu as entendu les repentances et les renoncements. Saint-Esprit, viens maintenant. Viens, touche. Touche cette femme. Touche cet homme maintenant. Je vais parler à quelqu'un. Là où nous sommes en ce moment, tu es arrivé au carrefour. Et dans ce carrefour, tu es arrivé. Dieu va te faire voir sa gloire. Mais tu vas le voir d'abord en songe. Tu vas le voir aussi en esprit. Il va te parler. Écoute-moi. Ce que je dis est certain. Tu es arrivé à un moment où tu te demandes où j'y vais. Qu'est-ce qui va se passer? Ne t'inquiète pas. Dieu va se révéler à toi. Et je dis, et même c'est aujourd'hui que Dieu va commencer à se révéler à toi. Fais ce qu'il va te demander. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Si ça te semble bizarre, appelle-moi. Et nous allons expérimenter ensemble la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Quelqu'un peut dire, je vais être spirituel. Selon l'éternel Dieu. Acclame ta décision. Alléluia.